Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous sommes sur Felix Wattelstein et Justice for All pour la deuxième partie de l'enquête. Ça fait bizarre de dire ça quand même. Bien, alors la dernière fois, Maya a été kidnappée par le groom qui nous a donné un talkie-walkie, enfin un émetteur-récepteur. Bien, déplaçons-nous. On est déjà allé voir ce que le con nous a dit, je le verrai plus tard. Allons au de l'hôtel. Afin d'apprendre un peu plus sur ces merdes. Merde. Il se passe que j'ai envie de t'en foutre des claques. Oui, Billy a été tué. Billy est mort. Parce qu'on s'en fout. Moi non plus. Ah là là, je me sens outragé. Bon. Je sens que, d'après la logique, les dialogues disponibles en bas de l'écran sont toujours ceux qui se révèlent les plus intéressants. Voilà. Intéressant. Mais... voilà qui est intéressant. Ah mais très intéressant même. Le plus important. Genre vas-y, s'il te plaît, dis-le moi. Dites-le moi, je te prie. Beaucoup trop de chaînes. Bon, très bien. Le jeu est un salaud. Voilà. Un bon gros duel psychologique qui m'attend. Donc je me barre. Allons dans la salle alto. Et j'ai remarqué un truc vite fait. Je ne peux pas aller au centre de détention en me déplaçant. C'est un peu stupide. Voilà. Mais oui, largement. En avant, Guingamp. Y a personne ici, donc allons dans le couloir. Les couloirs qui n'a pas changé, il y a des ours, toujours. Et il y a elle. De quoi tu parles? De quoi parles-tu? J'ai fait quoi? Ah, ton appareil. Ouais. Bah toi, évidemment. Oublie ce que je viens de dire, Perle, hein. Nous ne sommes pas du... Bon, je me fous de ton appareil photo, mais je sens que ça peut m'être utile, hein, au passage. C'est con, t'as perdu ton appareil photo. Quel dommage, va t'en racheter. Ok, tu viens de mentir sur le prix. Hein, tout de suite. Putain, le vendeur qui a tenu 5 heures. Juste pour un appareil photo. Ça me fait penser aux gens qui viennent à 3-4 heures du matin. Bon, j'exagère à peine. À 3-4 heures du matin pour aller dans une convention qui ouvre à aller... à 8h, 9h, 10h, quelque chose comme ça. Et je peux vous dire, qu'étant témoin du succès qui était au Dion Saiten, à 7h30, il y avait déjà du people. Ah, il y avait du peuple. Et quand je dis du peuple, pas du petit peuple, il y avait du cosplay, il y avait des gens qui attendaient, il y avait des gens qui faisaient la queue. Pendant des heures, alors que le dimanche, y a personne.
C'est un peu bête. Un gros scoop. Intéressant. Ouais, j'en loot. Et j'en loot beaucoup. Et beaucoup aussi. Ça te concerne pas? Ok, donc parle-moi de ce gros scoop. Oui. Oh, allez, vas-y. Quel genre d'histoire? C'est un duel, ton histoire. Très bien. Petit secret professionnel dans ce cas. Deux cadenas, c'est le minimum syndical. Au moins le minimum syndical. Oh, j'en passerai plus tard, hein. Ouais, assurance, mais... gencive. Allons dans la chambre de... Billy. Il y a plein d'ours. Non, je tiens à le dire. Il y a un téléphone portable, je le vois. Donc, cela pourrait être très intéressant. Référence à cette panda. Et il y a le... l'enquêteur, pas le dict... le, si, le detective. Et quand j'aurai fini Phoenix Wright, par contre, je ferai... je finirai Golden Sun. Je continuerai un peu New Hunter Night et Pokémon. Ok, si tu es tellement gentil, détective. Un plan de... à l'hôtel. Paladada, votre perle a reçu un plan. Perle ne sait pas lire. Intelligence, moins 30. Non, c'est méchant. Alors vas-y, donne-moi ce plan. Partiel. Ok, il me manque quelque chose. Et ce quelque chose nous sera révélé à un moment donné, j'en suis sûr. Combien on parie qu'il y aura un duel pour celui-là? Comme quoi? Ouais, c'est en deux parties. On dirait pas, dis donc. Oui, le bouton de Billy. Eh bien, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Je suis dans le caca. Dans le caca. Caca. Je suis dans le caca. Caca. Bon. D'accord. Et la cause du décès, quelle est-elle? Quelle est la cause de Billy? Un coup de guitare, c'est ça? Super, j'ai gagné une photo. Ah oui. Mais côté droit seulement, pas le côté gauche. Bah en même temps, ça me paraît logique. Je suis dans le caca encore plus. Bon, examinons la scène de crime. Voyons, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Son portable. Oui, alors ça, tu vois, ça s'appelle... une montre. Zut. Bon. Alors ça, ça s'appelle une carte. Et ça, c'est un portable que je veux absolument. Un sèche-cheveux, un rasoir, une calculette, t'es sérieux? Une calculette. Et l'application calculette de ton téléphone ne marche pas. Tu me déçois. Et là, donc, nous avons une superbe radio. Des ours. Plein d'ours.
Eh zut. Ça, c'est de la viande et une bouteille de tabasco. Ou de sauce tomate. Tu m'étonnes, ça doit être dégueulasse. Et là, il y a quelque chose sur ce canapé que je ne peux pas voir. Et là, il y a du bordel. Mais j'ai pas été élevé dans le pays des bisounours. On a volé la guitare de Billy. C'est un crime odieux. On a volé la guitare de Billy. Il est humide. Comment se fait-ce? Étrange. Bon, j'ai fini avec la scène de Billy. Est-ce que cet ours est un pédobille mal placé ou bien sa position à quatre pattes me fait penser à quelque chose d'autre? Admettons qu'on n'ait rien vu. Nous n'avons rien vu. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y a. Déplaçons-nous juste à côté que je présente des preuves à l'autre. Comme ce billet de conférence, d'accord, et c'est rien. Moi qui pensant savoir un peu plus, ça m'aide pas. Oh, Van Karma, j'ai battu deux fois. C'est bon. Non, ça tu me l'as donné. L'appareil photo. Tu t'en fous. Le Talkie Walkie. Ah ah. Mais c'est pas le boulot de la police en fait. Youhou, bah fais ça vite. J'ai trouvé une étui de une guitare. Y'a plus la guitare de PD. C'est dans la merde. Pour ceux qui savent pourquoi j'arrête pas de répéter le nom de Billy, je vous conseille de regarder Hard Corner le film. Et vous comprendrez pourquoi. Est-ce que j'ai bien vu? On l'a cherché. Et je ne sais pas, j'ai passé un peu vite. Bon, discutons. Est-ce que j'ai débloqué un truc? Non, on va te faire. Ok. Se déplacer. Allons dans le couloir. Allons dans la chambre d'en garde. Regarde, taillot, voilà. Voilà, j'ai fait cette blague de merde. Nous sommes dans une loge, ainsi qu'une chambre à deux lits. Bonjour madame. Vous êtes un... je sens, d'après votre air insidieux, votre tenue vestimentaire et le carnet que vous tournez des pages indéfiniment, vous devez être le manager de Hangar. C'est ça, hein? C'est incroyable. Mais tu as un peu tort quand même. Andrea Landry. D'accord, madame. Première chose à faire, regardez. Un magnifique sabre. Happy. Comme la chanson. Blague de merde. Un dîner pour deux. Des côtelettes. Ah oui, la petite référence à l'affaire 3 du premier 7 en est. Pas mal. Une assiette qui a quelque chose d'étrange. Peut-être parce qu'il y a un os ou un couvert, je sais pas. Et là nous avons un magnifique trident et une valise. Alors, nous avons des habits. Bah non, ce qu'ils aiment c'est la pureté et ça je sais pas ce que c'est.
Bon, bah, y'a rien d'autre. Madame Landry, le soir du meurtre, où étiez-vous? Dîner. J'ai raté une phrase ou bien c'est... Normalement c'est dîner et... Tu me caches quelque chose. Oui, j'ai mangé une côtelette. Comme... C'est vrai qu'elle a l'air d'en avoir rien à foutre, surtout. Non, juste comme ça. Mais bien sûr, elle aurait son père mort professionnel. J'en veux pas ton message, moi la paix. Non, je vais jamais deviner. Ah, très intéressant. Oui, alors en fait, c'est une associée de rechange, tu vois. En fait, c'est en plastique, tu mets de l'eau et ça pousse très très vite, en une nuit. Ça gagne au moins, 8 ans. Présentons des preuves comme un samouraï. Enfin, une image de samouraï plutôt. Oui, tu n'as pas le temps de perdre avec des trivialités. Une partie de trivial poursuite alors. Trivialité, trivial, trivial. Oh merde. C'est des jeunes. Nom de Dieu. Un billet. Oui. Oh oh. Voilà qui est étrange. Ouais, bah t'es con quoi. Bon, et voici un émetteur-récepteur. Bon, tu t'en fous. Une caméra, un appareil photo, tu t'en fous. Un plan d'hôtel, tu t'en fous. Une photo du crime, tu t'en fous. Et un étui de guitare. Dis-moi. Tu t'en balances. Très bien. Bien. Je vais me déplacer. Je vais retourner au centre de détention avant de déclencher les duels. Quoique. Si, je vais faire autre chose. J'ai oublié de présenter les profils de chacun. Ça me débloquera sans doute des trucs. Oui, je commence à comprendre la logique du jeu. Mais je mets un peu de temps. 1 euro. Waouh. Oui, c'est karma. Voilà, voilà. C'est quoi préposé à la sécurité? Tu m'étonnes. Maintenant, c'est plus échouette, c'est préposé. Ah, lol. Oh, c'est drôle. Quoique, non, ça je m'en foutais totalement. C'était Yuan Corrida. Tu m'étonnes. Je pensais pas à ça. Tiens, respecte-moi, je suis sûr que je suis plus. Et André Landry. Exactement. Parce que c'est une femme. Exactement. Ah, c'est une femme qui pense. C'est presque ça. Tu me fais de la peine.
il faut abattre. Il faut t'abattre, je suis désolé, mais non. Retournons voir Madame Landry. Toi, je te parlerai plus tard. Mais, oh super, je me suis raté de chambre. Ok, oublie que tu m'as vu. Ça fait 14 fois que je passe devant toi, c'est pas grave. Parle-moi de Johan Kolida. Pour toi, ouais. Tu m'étonnes. On a tous été débiles. On a tous été des gamins surtout. Oh non. S'il te plaît, pas ça. Pas ça. Pas encore un. Et merde. Oh damn. Oh mes yeux. Oh là là. Oh ça m'a fait mal. Putain je souffre, je saigne. Je suis au moins 3 combats. C'est chiant. Alors la logique voudrait que ce soit Eva et Chouette Landry. Ouais, ouais. La logique voudrait que ce soit ça. Mais avant les combats, je vais continuer sur mon hypothèse de je me donne tous les profils d'abord et ensuite on ira faire les duels. Ok, donc ça on s'en fout. Et chouette. Voilà. On a tous fait quelque chose de mal. Et Alex, machin Landry. Andréa Landry, voilà. Bah justement, ton but c'est de savoir des choses. What? Mais cette phrase n'a aucun sens. Bon, on retourne dans la salle alto. Oh, un trigger s'est déclenché. Comme quoi j'ai bien fait de ne pas déclencher de duel. T'as mangé, c'est ça? Ah ah, t'es deg. Ah, c'est la bite pour toi. Parle-moi du ninja Billy. Le petit Billy. Tu m'étonnes. Waouh. Putain, c'est vrai que l'histoire est passionnante. Un ninja avec une guitare rouge vif. C'est sûr que le contraste est... Waouh. Waouh. Putain hein. Le scénario est perché. Non, c'est pas, il est mort. Il est mort. LOL. Ah ah ah. Je te déteste. Je parie que ces informations vont m'être utiles pour le procès. Alu est un nickel. Comment apprendre la physique chimie avec Phoenix Wright. Une histoire de quoi? Oui, de l'amour. Oh
dans le scénario est aussi perché que l'autre. Waouh. Ça c'est... Ah bien perché. Oh non 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 non, je veux pas savoir. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Pourquoi? Tout dimanche à 8h. Mais l'autre il passe à 8h aussi, non? C'est étrange. J'ai un talkie-walkie. Ça sert à quelque chose. Mon avis, il y a Monsieur Razwan Karma qui s'est déguisé. Ce serait tellement subtil de la part des développeurs. Ah, je viens de toi regarder. On a volé la guitare de Billy. Tu sais où elle est? La guitare rouge juif avec des paillettes qui luisent dans la nuit. Exactement. Bon, bah ça m'aide pas en fait, donc je vais me déplacer dans le hall de l'hôtel. Bonjour, c'est encore moi. J'ai une photo du crime. C'est... mieux vaut que tu ne saches pas ce que c'est. Bon, bah, va te faire. Bien, est-ce que je t'ai parlé à tout... Ouais, parlons de la victime. Parce que je passe, parce que je suis là, et parce que Maya m'a obligé à prendre cette affaire. Une femme? Ah oui, Eva. Père, as-tu vu le magnifique oiseau rose à pattes d'éléphant qui vient de voler juste là? Bon, jusqu'à je m'en balance. On va se déplacer au centre d'avocat. Ça sert à rien. Et au centre de détention afin de présenter tout le merdier accumulé à l'autre. Et on sera parti pour un duel contre je ne sais pas qui. Bon. La discussion va changer, donc je vais te présenter les gens. Je vais te présenter des gens échouettes, merde. Tiens, voilà un billet de conférence de presse. Enfin, voilà. Bon. Voilà un plan de l'hôtel. Ok. Non plus. Il s'en fout de la guitare de Billy, donc je vais devoir lui en foutre une. D'accord. Reste à ton téléphone. Oui, j'ai rencontré et j'ai des choses à lui dire. Ok. Bon. Bon, bah...
Grotte dans les barres chouettes pour lui montrer les choses. Mais non, je... C'est non, je vais pas montrer les profils. Elle profile de tout le monde. D'accord, alors on s'en contrebalance, très franchement. Se déplacer. Allons à Salalto. Oui, à l'autre. Allons voir Eva. Et essayons de réussir le duel. C'est pas ça que je voulais faire. Essayons de réussir ce combat. La personne du monde, André Landry. Exactement. Néfufufu. Une preuve, une source. Une source, voilà. Alors. Quelque chose entre Johan, bien, il est où Johan, et Landry. C'était une guitare, et c'était pas ça. Halal. Je souffre. Non. Il y a une superbe bouteille qui est restée debout. Non. Pas pour le moment. Bon. Ok. Il me faut une source d'information. Dans ce cas, on voit la chouette. Ce sera peut-être elle. J'aurais peut-être dû la voir en premier. La photo du crime ? Perdu ! Qu'est-ce qu'elle... Pas ça non plus. Ah, je sens que je vais mourir. Bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Non plus. Ok, c'est parti. On va tous mourir. Ah, trollolol. Raté. Non mais c'est bon. C'est bon, c'est pas de game over. Fous-moi la paix. Ok. Donc, on va essayer une autre personne. On va essayer Madame Landry.
Ah, je vais essayer tout le monde là par contre. Quelque chose qu'elle veut, mais quoi? Ah, je vais faire tout le monde. Hein. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors. Ok, donc il me faut une preuve que je n'ai pas. J'ai sans doute oublié une preuve quelque part. Je suis sûr même d'avoir oublié une preuve quelque part. Pas ici, il n'y a rien. Ah, la bouteille. Ah, la bouteille. Salaud. Ah non. What? Non, 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 non. Je t'es pas sérieux. Sérieusement. Oui, je m'en serais douté. Il n'y a que la bouteille et le verre. Ah, je suis un salaud. Bon. Monsieur Detective, voyez, pourrais-je avoir votre avis sur cette chose, voyez. Ce verre. Mais moi, je croyais qu'il n'y avait que la bouteille. Salaud. Ouais. Oui. Vous voulez dire que je suis une... Oh, damn, we are in trouble. Eh, bon, nous sommes dans le... Kika. Allez, non, on est... C'est trop tard. Trop tard. Bonjour, Karma. Deuxième musique, je laisse. J'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. Salaud. Oui, et toi, tu es du genre à inventer des histoires à des témoins qui sont coupables. Pourquoi tu te mets des coups de fouet? Oh mon dieu, cours, t'active! J'ai rien fait. Ah non, d'accord, c'est pas moi. Yao! Moi aussi, je lis yo, mec! T'as perdu deux affaires, hein? Au cas où! Ça fera que 2-1-1, comme d'hab. Je gagnerai. Voilà, voilà. Ta famille est en prison, j'en suis sûr. Qu'est-ce que... Ça marche. Je débloque un nouveau lieu. Mais qu'est-ce que ceci qui vient d'apparaître? C'est un autographe. Flavie. Flavie est chouette. Et ben voilà ce qu'elle voulait.
La sale petite allumeuse. Oui, Phoenix, tu es génial. Tu as du talent, Phoenix. Bon, je prends ma revanche. Salalto. Ah, de l'hôtel. Je veux ma revanche. Oui, donc, ce que tu veux, je l'ai. L'autographe. Exactement. Bravo. Exactement. Je suis sûr que c'est pas à toi. Exactement. Ah oui, yo. Oh damn. Est-ce que le jeu vient me faire un énorme troll? Le jeu vient de me faire un énorme troll, on est d'accord. En un seul coup, j'ai brisé 4 verrous là. Ce jeu du troll absolu. Donc c'était... Ok, très bien. Ok, maintenant les duels, je les enchaînais. Qui de... Excusez-moi, pardon. Un putain de troll, je ne l'oublierai jamais, je... Tu m'as fait mener sur une fausse réflexion. Très bien. À fois je... Si tu le lis... Mais parle-moi du passé d'Engarde. Comment? Mais qu'est-ce que cela peut-il vouloir d'être? Ok, mais pas avec un cas, s'il te plaît. Cette ville tentatrice. Genre cette ville tentatrice. Hein, je t'expliquerai dans... Je te passerai un truc génial, un dictionnaire. Andrea, comment? Ah mon dieu! Là, c'est moi d'abord. T'as des preuves? T'es épistant. Étrange. Cela dit, ça me suffit. Allons voir des affaires criminelles. Pour semer le troquet, okay, ça n'a pas changé depuis le 1. On n'a pas le choix, le jeu vient de me faire un énorme troll. Je le déteste maintenant. Comme quoi, ça attire tout le monde les dessins animés. Je respecte ceux qui aiment Pokémon. Le hall. Voilà. Donc ça veut dire que Flavie Chouette
est une source d'information dont je peux prendre ma revanche sur l'autre. Comme quoi, tout se découpille. Tout se dégoupille extrêmement bien. Andréa machin truc. Alors j'ai une autre personne, elle s'appelle Famille Chouette. Comment ça c'est pas ça? Comment ça je te fous de ma gueule? Attends, non. Ce serait tellement un troll si en fait... Non, je vais pas me troller encore une fois. Le jeu est beaucoup trop salaud pour me faire ça, si c'est vrai. Le jeu est beaucoup trop salaud s'il me fait ça. Le jeu est réellement salaud s'il me fait ça. Bon. Ok, bon, va te faire. Mais j'ai pas une preuve dans mon dossier. Non, j'ai rien sur machin. Bon, j'ai fait un combat. Il m'a assez bien mené. Et mais toi, j'aimerais tellement que avoir une vraie preuve de ce que tu avances. Oh non, on va pas me dire qu'il faudra que j'attende une semaine. Youhou, je suis paumé. Il y a un carnet, est-ce que je peux le lire? C'est le temps de la réflexion. Bon, réfléchissons. Voyons. Réfléchissons. Voyons. Voyons. Bon, vu que j'ai appris des choses sur Andrea. Ça se passe toujours dans le monde de l'hôtel. Et si lui il est là, c'est pour une bonne raison. Mais vu que j'ai appris d'autres choses sur... Vu que j'ai appris d'autres choses sur Andrea... Ouais, je devrais débloquer des trucs. Comment cela? Ta phrase est étrange. Il est mignon. Il va jouer à la balle. Tiens donc. Ah, putain. Esprit vif!
mais il va y avoir un problème là. Bon bah du coup je vais revoir Eva. Mais cette fois j'ai ce qu'il faut. Hein, cette fois je vais te... T'en mettre... Je vais te frapper. It's time to do. Je vais tellement te frapper. Mais tellement fort. Bon, alors blablabla. Voilà, donc... Putain, regardez-moi cette barre de psychisme ou de psyché, je sais pas comment il faut le dire. Cette barre de psy faible. Voilà, fin, point barre. Étrange. That's it. Youhou, j'ai gagné. Bon, et techniquement, je vais revenir aux affaires criminelles, et s'il se passe toujours rien, je vais reprendre ma revanche numéro 3 ou 4 sur l'autre. Je suis sûr que t'en as pris. Waouh, c'est une belle métaphore. Mais... On disparut. Ah là là. Ah, elle s'est pas tombée sur le prix. Moi, je suis sûr que ça pourrait être utile. Comment ça, mise à jour? Voilà, les tuyaux contenaient une note sur la victime. Ah, je pourrais faire chanter les gens. Donc, je me tiens au plan. Le plan est, je retourne aux affaires criminelles. S'il n'y a personne, je vais péter les verrous psychés de l'autre salope. Pris dans de l'autre. Voilà. Je m'emporte. Je le savais qu'il y avait un trigger. Je m'en serais douté même. Youhou, tu m'aides. Ouais, j'ai beaucoup d'infos. Super, je suis encore plus dans la mouise en fait, c'est ça. C'est ça que tu essayes de me faire savoir. Salaud. Je te hais. T'as voulu m'aider, c'est bien, mais... Ok, bon, les deux grosses pièces, ça doit être des... photos. Oh. Ouais. Un bouton, où ça, en fait? Ah oui, d'accord, un bouton là. Ouais, je le vois. Ok. Ah, on a eu les résultats de l'empreinte. Oui, un matin, garde, c'est tout. C'est tout. Bon, elle nous a donné témoignage infaillible, je pense que ça doit être Alexandra. Ah non, c'est l'autre. C'est le supposément être chargé de la sécurité. Ok, bon, maintenant que tu m'as bien mis dans le... Tu m'as bien mis, là. Hein, là, tu vois, je me sens mais super bien. Ouais, bah, comme d'hab.
Ok. Voilà. Une femme s'est... a suicidé. Image subtile, mais qui ne l'est pas en vrai. Céleste, la moutre. Youhou! Vous avez débloqué quelque chose. Comment? Ça voudrait dire que André Landry est la coupable? Enfin, je pense. Peut-être. Je sais pas. Ah, j'ajoute un nouveau profil. Ah bah oui que je... Ah bah... Ah bah tu me le proposes. Donc, Céleste, la voûte. La voûte Céleste, on a... J'appuie sur Start. C'est bien. La voûte Céleste, évidemment. Et c'est suicidé. Eh mais c'est incroyable en fou. Zut alors. Salut Van Karma, comment vas-tu? Oh, je t'en prie. Excuse-moi, c'est pas moi qui ai commencé en premier. Vous êtes viré. Ça alors, j'avais deviné. Ah mon dieu, quel revirement de situation. Voilà pourquoi il faut maîtriser les gens. Mais qui a parlé? Cette voix. Oh mon dieu! Le twist! Le twist! What a twist! Genre, elle va dire que tu n'es pas mort. Bonjour, c'est moi qui lui ai fait perdre la perfection. Je te crois. Bon, Hunter, on a des choses à se dire. Voilà. Voilà, tu étais mort. Techniquement. Enfin, sur le papier, on disait que tu étais mort. Un an d'absence. Wouh! Tu viendras me voir s'il te plaît. Je suis sûr que le jeu va sûrement faire en sorte que tu sois dans l'intrigue. Le talent, le travail d'équipe, exact aussi. Ça marche aussi. Une vérité. Et que voulait-il dire par le sort des bonnes karma? Oh, ce manque de respect. Comment cela à la barre? Ouais, et à chaque fois elle perd, c'est ça le truc. Tu vois, moi j'ai la passion. Ça marche aussi.
Oh putain, ça trash talk sévère. Bon, je vais te présenter les gens. Est-ce que j'ai le profil de l'autre? Je crois que maintenant j'ai tout pour le duel psychologique. Ok. En fait, j'aurais dû lui montrer mon badge. C'est pas même ça. Ok. Non, mais j'ai tout présenté, cherche pas. Ah, Talkie Walkie, tu pourras m'aider, s'il te plaît. C'est pour une urgence. Tu t'en fous. Très bien. Tu t'en fous. Et c'est encore mieux. Tu t'en contrebalances. Je sais que j'ai quelque chose à faire avec toi, sinon le jeu ne ferait pas en sorte que je dois te parler. Bon, se déplacer, direction le combat final. Et dernier endroit, chambre d'en garde. Oh là là, un trigger se déclenche. Je ne l'avais pas remarqué. Non, 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 4. Bon, je vais pouvoir dire ce que je pense sur cette table. Bon, peut-être le pot de fleurs. Oh, aucun indice ici. Merci. C'est pas ce que je voulais en fait. Là. Non, les habits de samouraï. Les lits, rien à faire. Ça. Non, le repas, je m'en contrefou, littéralement. Non, on dirait que j'ai tout vu. Dans ce cas, je vais sortir. Après avoir activé ce trigger. J'espère qu'il ne se passera rien. Fouillé dans la chambre de Colida. Il n'y a rien. Toujours cette bouteille de jus de tomate étrange et mystérieuse qui trône sur cette table avec ce verre comme si on ne pouvait les séparer. C'est vachement beau. Bon, elle est où l'autre? Combien paraît qu'elle est en centre de détention? Non. Nope, 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 nope. Présenté. Pardon. Ce mec est un troll et lui tout seul. Dis-moi, qu'est-ce que tu connais sur André Landry? Oui, c'est ton manager. Mon contrebalance. Ah ah! Je tiens quelque chose! Mais étrange, je pense que c'est la clé de cette affaire. Merde, mauvais endroit. Et la clé de cette affaire, ce gamin, c'est beaucoup plus qu'il ne veut le cacher. Je vais retourner voir l'autre conne. J'espère qu'elle sera là. Non. Dans la chambre d'en garde alors. De Candida. De Billy qui est mort. Billy est mort.
Il est mort. Je me suis niqué la voix. Ah, je me suis niqué la voix. Voyons. Je suis sûr que Hunter il est pour beaucoup dans cette histoire, mais... Je suis sûr que Hunter est un salaud. Sinon, on me le donnerait pas. Putain, ça fait déjà au moins... Ça fait une heure que je suis sur cette affaire. C'est long! Mais vu que tout le monde en sait sur ce personnage, Céleste la voûte, je pense que lui aussi doit quand même en savoir. Ah ah! Bon, ça doutait. Est morte. Ça alors, c'est au moins le troisième ou quatrième meurtre qui date. L'aide de suicide. Une aide de suicide qui disparaît. Aurais-je débloqué quelque chose? Youhou! On est content. Yoran Collide, comment ça Billy? Comment Billy peut-il cacher quelque chose? Oh, c'est magnifique. On voit bien la lettre là par contre. Hein. La lettre, hein, elle est bien sur la table en vert. D'accord, voilà le rapport d'autopsie. La première partie, comment cela? Première partie du rapport d'autopsie, hein, qui est complète. Allons voir dans le dossier. Trouvé par une note de suicide cachée. Ta-ta-ta, très bien. Bon, est-ce que maintenant je peux avoir accès à Alexandre? Putain, Andrea Landry. Hein, ce serait pas trop vous demander le jeu. Hein, le jeu, tu vas gentiment me mettre ce personnage. Et tout de suite. Le jeu, je te déteste. Je te hais, tu le sais. Ah, je te déteste. Je vais la trouver, du sais-je. Ah, bah, voilà quoi. Tu sais, genre, à te buter, je veux. Tu sais, j'ai à te buter, voilà. Je cherche. Ça m'énerve. Bon, là, il faut que je trouve en Landry. Qu'est-ce que je fous là, moi? Centre. Non. Le centre de détention. Je suis en train de faire tous les endroits du monde. J'en ai marre. Peut-être oublier quelque chose, là. Peut-être je dois parler d'autre chose avec lui. Peut-être devant une karma. Ça m'énerve. Ça se trouve, j'ai oublié un truc.
j'ai oublié quelque chose. Ouais, donc en fait, je suis revenu voir Hunter, je vais présenter le rapport qu'il m'a donné, et puis ça devait être ça. Voilà. Incroyable, n'est-ce pas? Quoi? Oh là là. Oh là là, voilà la voilà, voilà la voilà, voilà la voilà la. Codépendance. Est-ce que je l'ai complet? Est-ce que j'ai débloqué un truc? Yeah. Je ne sais pas. Oh. Ce n'est pas étonnant. Oh. Macabre. Je vois... Oh, merci! Merci beaucoup, Hunter! Je te déteste! Tu es un salaud. Je crois... Ah, ok. Allez, là maintenant, le jeu, tu fais pas ta connerie, tu fais pas ta pute, et tu me laisses faire mon duel! Ça a déjà duré beaucoup trop longtemps, une heure. Putain, elle est revenue, mais je te déteste beaucoup. Je te hais encore plus. Ah, je suis comme toi, je viens parler aux témoins, hein. Donc voilà. Je te suis pas, c'est pas vrai. Ouais, d'abord. Oh, une télécommande. Très moche. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? C'est ça qui m'intrigue. Landry! It's time to do. Oui, je le sais. Et voici ma première carte! La coupure, le magazine! Pas approché de Gurida à cause de cette personne. Ma deuxième carte, la voici. Et bah, des petites choses, hein, voilà, notamment le suicide.
n'est-ce pas? Oh, merci beaucoup. Voilà. Est-ce la vérité? J'en doute. Tu ne l'as pas accepté. La troisième carte. Le rapport de suicide. Étrange, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Plus que deux. Étrange. Pardon. Et voici ma quatrième carte. Le rat au rapport de tentative de suicide. Vous avez aussi passé par là. Le suicide. Mais tu n'es qu'un mur. Un ancien mur qui a des failles partout et qui ne demande qu'à être brisé. Ou alors, une mauvaise façade. Et n'est-ce pas? Décidé, tu as perdu! Il n'y en reste plus qu'un, je suis dans le... Non, je ne dois pas... Je ne dois pas céder! Tu le savais, n'est-ce pas? Ça change tout, et oui! Précisément! Le suspect number one! Toi! Elle est morte! Tu auras fait n'importe quoi! Oh oui, un meurtre! C'est fini! J'ai gagné! J'ai eu trop de la chance! Le jeu est salaud! Nous pouvons discuter des motifs du meurtre! Pas étonnant! Musique triste! Je me suis fait interrompre, c'est lourd. Non, tu es un être comme chaque être de cette terre. Ça, c'était peut-être. On sait pas. J'en le vois, scandale, voilà. Voilà, voilà, quoi. T'as du travail foutre de ma gueule. Eh bien, si tu veux, après tout. Ça me rappelle quelque chose, ça. Bon, bah j'ai tout ce que je voulais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Ah, toi aussi tu l'as remarqué. À rien en fait. Oui, un coquillage. Ah, c'est pas grave. D'accord.
J'ai tout ce que je voulais. Bon, maintenant je vais rentrer. Ah non, un trigger. Ouais, je pense qu'il va bien. Je pense qu'elle va bien. Ouais. Fous-toi de moi. Tiens, Eva n'est plus là. Nah. Elle a dû rentrer. Gustave est toujours là. Tu sers plus à rien, mon grand. L'autre, elle est là. Tant mieux. Bien, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'arrêter si le jeu le veut. Exactement. Vous avez recevé un appel. Mon karma est à votre trousse. Ah non, c'est l'autre salaud. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, évidemment. N'importe quel prix. Eh bah, c'est aux perles. Ma soeur. Ah, je crois comprendre. C'est le personnage, c'est pas moi. Putain, la transformation s'est fait en 5 secondes, même pas. Incroyable. Ok, arrête de prendre toi ça. La situation de Maïr, voilà. Voilà, voilà. Ça sert. Et le kidnappeur, une idée de comment on peut le faire? Non. Ah. Ça explique des choses. Sombre. Flashback. Quelque chose attire mon attention. Quand je disais qu'on allait jouer avec Maïr, j'espère très franchement que c'était pas une blague. Quelque chose d'intéressant attire mon attention ici. Une seconde. Cette carte me dit quelque chose. Étrange. Que tout cela. Bon, la porte maintenant. Ah, la carte. Bravo. Allez, allons-y. Genre ça marche. Et ça se termine là-dessus. Incroyable. Et bien c'est là-dessus que cela termine cette cette deuxième partie d'enquête qui est extrêmement longue. J'espère que ça vous aura quand même plu. Moi, je suis fatigué. J'ai fait ça d'un seul coup le soir. Je pense que pour le montage, je vais faire pas mal de cuts vu que j'ai, y a pas mal de choses qui doivent être enlevées. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, d'aller sur Twitter, de vous abonner à mon Twitter, de suivre cette aventure. Bon jeu et à la prochaine.